C'est pas tous les jours qu'on a des visites à Rivebois. Tiens, oui. Et si vous me fabriquiez une dague de fer? Voilà tout ce qu'il vous faut. Allez-y. Bonne journée. Vous avez fabriqué une bien belle arme. Dites-moi ce qu'il vous faut. Par Ismir, si c'est simple et solide, je peux le forger. Pas mal, mais elle n'est pas très acérée. Et si vous l'affûtiez un peu? Il vous faut juste un peu de métal et la meule qui est là-bas. Bonne journée. Principalement du fer et de l'acier. Il est même possible que j'ai quelques pièces elfiques intéressantes quelque part. Ça m'a l'air très bien. Vous mettez beaucoup d'applications pour fabriquer vos lames. Elles vous le rendront quand vous aurez besoin d'elles. Vous voulez continuer à vous rendre utile? Et si vous fabriquiez une armure? Commençons par tanner du cuir sur le chevalet. Ouais. Vous êtes du genre sournois? Parce que j'ai des chouettes dagues quelque part par là. Ah, bien! Beaucoup d'armes et d'armures ont besoin de lanières et de doublures en cuir ou ce genre de choses. Voyons si vous savez fabriquer un casque en peau. Voici les autres choses qu'il vous faut. À la prochaine fois. Vous aider? Je devrais vous engager pour m'assister tel que vous travaillez. Améliorons un peu la taille. Apportez ce cuir à l'établi là-bas. Bon, très bien. Vous êtes à la recherche? Principalement du fer et de l'acier. Vous avez du talent. Continuez à pratiquer, vous maîtriserez parfaitement l'art de la forge un jour. Pourquoi ne garderiez-vous pas cette dague et ce casque? Vous vous souviendrez peut-être de moi quand vous fabriquerez de l'acier de la forge ciel, n'est-ce pas? La famille de Gerdur est arrivée ici il y a plusieurs générations pour exploiter le bois. Od et Elf font tourner la scierie. Moi, je gagne ma vie honnêtement en aiguisant des haches et en entretenant les lames. Si vous savez vous en servir, je n'ai pas d'objection. La meule permet d'améliorer vos armes. Utilisez l'établi pour améliorer votre armure. Si vous avez les matières premières requises, vous pouvez utiliser la forge pour fabriquer un objet.